à Monsieur le ministre en charge des Outre-mer. Voilà 10 ans que la Guadeloupe et la Martinique luttent contre le fléau des algues sargasses. Ces algues qui viennent s'échouer sur nos côtes et dont l'émanation de l'hydrogène sulfuré entraîne la perte des électroménagers, la dégradation des habitations, mais surtout la dégradation de la santé de nos concitoyens. Ces territoires souffrent, mais ils luttent. Les marins pêcheurs, les travailleurs du secteur du tourisme, les commerçants, les riverains, les collectivités font tout leur possible pour réduire l'impact de ce danger désormais quotidien. Dernièrement, une étude du Centre hospitalier universitaire de la Martinique a été publiée dans une revue scientifique et a révélé un risque accru de pré-éclampsie chez les femmes enceintes vivant à proximité des zones touchées par ce gaz mortel. Concrètement, en se contentant d'allouer des fonds dérisoires aux collectivités pour ramasser ces algues, vous n'apportez aucune solution adaptée à l'ampleur du phénomène. Alors oui, le plan Sargasse 2, imposé par votre gouvernement, nous parle d'environnement et de concertation relative, c'est-à-dire sans les élus locaux, sans les professionnels de la mer et du tourisme. Mais qu'en est-il de votre politique pour protéger la santé de la population et singulièrement des familles qui font le choix de donner la vie? Si je pose cette question, c'est parce que, Monsieur le ministre, aucun de nos compatriotes n'acceptera de nouveau un scandale sanitaire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Carinco, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, merci, Monsieur le député, de cette question effectivement très importante pour la Martinique, mais aussi pour la Guadeloupe. Le gouvernement a conscience de l'ampleur de ce phénomène et de ses impacts nombreux sur la biodiversité, sur le tourisme, sur le cadre de vie et surtout maintenant sur les inquiétudes sur les effets des émanations de gaz sur la santé. Une récente étude, comme vous l'avez dit, du Centre hospitalier de la Martinique établit une possible précocité des pré-éclampsies chez les femmes enceintes exposées aux émanations de sargasses, sans pour autant aggraver le phénomène. Il s'agit des premiers résultats que nous regardons avec la plus grande attention et qu'il conviendra de corréler avec d'autres études. Les ministères concernés se penchent actuellement, en lien avec les ARS, avec les préfets, sur les éventuelles mesures à prendre en urgence, notamment en matière d'information des femmes enceintes et de mise en protection. Mais en outre et de manière immédiate, avec ce plan Sargasse 2, nous essayons de lutter contre le phénomène qui concerne tout le bassin Caraïbes et qui constitue une nouvelle preuve des effets du changement climatique. 36 millions d'euros y sont consacrés dès cette année. Sur ce total, le plan prévoit notamment 6 millions d'euros de financement en faveur de la recherche et en particulier des effets des émanations de gaz sur la santé humaine. Des crédits significatifs sont consacrés à équiper les collectivités pour récupérer les algues en mer, les ramasser rapidement, puis les stocker dans des conditions sécurisées et surveiller la qualité de l'air. Mais le sujet n'est pas abouti et il nous faut encore travailler. C'est pour cela, notamment, qu'à la demande du ministre Darmanin, je me rendrai à la Martinique et à la Guadeloupe dès la semaine prochaine et ce sera l'un des sujets de travail. Je vous suis attentif à ce sujet. Vous avez raison, je vous promets qu'on y travaillera ensemble. Je vous remercie. Monsieur William. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État. Je vous rappellerai une chose. Jadis, le ministre Nicolas Hulot, à votre place, disait la même chose. 48 heures pour ramasser les algues sargasses. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les gens souffrent et nous vous attendons sur ce sujet.